Il permettrait de soulager, c'est en tout cas ce qu'on nous dit. La gueule de bois, nous sommes d'accord pour dire que c'est un peu étrange Oui, complètement. Déjà, il y a un problème avec le nom de ce, nom de ce complément alimentaire que vous trouvez sous forme de boisson alcool. C'est la contraction du mot alcool et du hum. mot cool. Sauf que quoi qu'on en dise, l'alcool ce n'est pas cool, c'est un toxique qu'il faut boire avec modération. Donc, d'emblée, à titre personnel, moi j'ai un problème avec le nom qui tend à banaliser la consommation d'alcool. Que contient cette bouteille qui permettrait de lutter contre la gueule de bois Alors, des extraits de poire, de qui permettrait, je cite, accrochez-vous, de booster la productivité de votre foie de 70%. Des extraits de figues de barbarie qui, je cite là encore, soulagent tout simplement la gueule de bois. Pour le reste, on trouve des plantes, des vitamines et un peu de magnésium. Bon, mais ça marche ou pas Alors évidemment que non, j'ai interrogé d'ailleurs... Plusieurs... <laughs> j'ai <Je suis rire> quand même interrogé... Mais interrogé plusieurs spécialistes, des addictologues, pour être certain de ma réponse, mais selon eux, c'est plutôt de la publicité mensongère et on est plus proche de la grosse escroquerie je cite, voir du foutage de gueule que du remède contre la gueule de bois. Et puis, d'un point de vue purement scientifique, moi je suis étonné de voir que deux simples fruits permettraient de multiplier par dix les capacités de filtration du foie. Ce d'autant qu'aucune étude scientifique n'est avancée et qu'on ne retrouve sur le site du fabricant qu'un simple sondage d'utilisateurs du produit. En fait, votre crainte, c'est qu'on envoie un très mauvais message vis-à-vis -vis de la consommation d'alcool. Oui, cette boisson, elle vous incite à boire plus, car dans le mode d'emploi, il est indiqué qu'il faut boire toute la bouteille avant de consommer. Oh de l'alcool en prévention. Ensuite, c'est écrit noir sur blanc qu'on peut profiter de la soirée et se réveiller comme par magie en pleine forme. En fait, on banalise l'alcool et d'ailleurs ce laboratoire avait fait jusque-là une communication très agressive avec une affiche mettant en scène des enfants sur la cuvette des toilettes et dressant le parallèle avec un lendemain de fête un peu trop arrosé. Bon alors le pire, c'est que ce produit il est vendu en pharmacie. Oui, avec en plus un prétendu comité scientifique qui est fait de deux pharmaciens et d'un biologiste. Alors moi c'est ce que mon avis personnel, mais c'est une honte de s'associer à ce genre de boisson, mais encore plus de le vendre en pharmacie, car on retrouverait ce produit dans des milliers d'officines en France. Alors encore une fois, ce n'est que mon point de vue vraiment personnel, mais si vous trouvez ce genre de produit dans votre pharmacie, il faut vraiment vous interroger sur le sérieux de votre pharmacien. Et puis d'une façon générale, je pense qu'il faut tout simplement retirer du marché ces compléments alimentaires aux fausses allégations qui envoient un très mauvais message vis-à-vis -vis de l'alcool qui, je rappelle, est responsable de 50 000 décès chaque année dans notre pays. Et on rappelle d'ailleurs qu'il existe d'autres compléments alimentaires, on ne va pas se fâcher qu'avec Alcool. Il y a aussi Allez, avec tout le monde. Allez, Hangover, Hydratis ouais. ou encore Rehab, avec lequel j'ai exactement le même avis défavorable.